Et YouTube, suite de nos aventures sur Horizon Forbidden West, nous reprenons là où nous en sommes arrêtés, c'est-à-dire devant ce creuset magnifique que nous allons faire. Et donc c'est parti. Mes excuses si il y a des retours de type boum 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 à répétition dans le micro. Je vais essayer de faire le DJ si c'est le cas. C'est insupportable depuis ce matin. Ça n'arrête pas. Au rez-de-chaussée, ça bricole. Au premier, ça bricole. J'ai envie de crever. Bref. Une porte de creuset. Mais différente. Pas moyen de la pirater. Je vais devoir trouver un autre accès. Ok. Bon, ça va. Le jeu est sympa. Il m'indique à peu près vers où est l'entrée. Alors. C'est chiant. C'est chiant. Bon, à un moment donné, Aloy, va falloir qu'on se mette d'accord. Ça ferait une bonne teinture. Là, c'était... Comme si la terre s'était fracturée d'un coup. Mais... Non, mais par contre, ça suffit, là. Allez, on y va. Je me demande où ça mène. Bah, sûrement dans le creuset, du coup. Allez, arrêtez de fouiller. Et niveau 8 hein. Je sais pas si c'était utile de le défoncer, bref. Bref, parce qu'on aurait pu aller là-haut en fait. J'aurais peut-être dû. C'est pas grave. Mais je pense qu'on aurait clairement dû faire ce creuset direct en arrivant dans la zone. Hein. Parce que là, s'ils mettent un pillard niveau 8... Bref. Ok, c'était pas par là. C'est l'autre côté, du coup. Mmh.
c'est... une forge ? On dirait qu'elle produit des pièces de machine. Mais c'est l'intérêt des creusets, non ? Ils sont vraiment, 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 vraiment faibles. Ah, mais c'est le pierre que j'ai défoncé au début. Bon, lui, il rigole un peu moins déjà. Attends, parce que... Je vais pouvoir grimper par là. Eh, mais là-bas. Ah, on peut pas passer de l'autre côté, c'est ça? Ok. On peut grimper ? Non. Je pensais qu'il fallait que je fasse un saut spécifique. Elle l'a fait toute seule, heureusement. Hein, parce que là... ça aurait été un enfer, sinon. C'est d'ailleurs dommage, limite. Ils auraient peut-être même dû rendre le truc un peu plus difficile. Alors, je sais, du coup, c'est un peu masochiste de vouloir ça, mais que vraiment on ait une vraie notion de platforming, de gérer vraiment au poil de cul les sauts nous-mêmes plutôt qu'elle le fasse en automatique. Mais bon, c'est sauts années 90-2000 quoi. Bah ouais, bah ouais. J'entends pas d'envie par contre. Hein. No!
pour une fois là, j'ai l'impression d'être un peu à niveau. Alors que non, hein, je suis cheaté par rapport à eux, mais... On peut pas passer à travers ça. Ah oui, donc si, il aurait fallu que... De ça pour grimper. Oui, sauf que ça, ça s'ouvre par alternance. Mais non. Oh non, mais non, mais non, mais vraiment, mais vraiment. Je t'en supplie, dépêche-toi. Je crois qu'il y avait un loup de l'autre côté. Voilà ce que fabrique cet endroit. Un grand coup. Bah c'est bien du coup, non ? Le séisme a dû arrêter le processus. J'expose le noyau et que je récupère les piratages. Oui, mais tu sais que ça ne se passera jamais comme ça, Aloy. Soit. Non, c'est pas bon signe. Girondors. Ok. Bah relève-toi. Non mais... Oh,
Je me fais fumer par un gyrodorf, ça. Allez, faut que je récupère ces pirates. En plus, on en avait plus, hein, des que gyrodorfs, donc... Il est temps de récupérer. J'ai bien fait. J'ai bien fait de forcer. J'ai pas vu. Étincelle, yes. Donc en théorie, étincelle, ça me permettrait de les chevaucher. D'autres piratages incomplets. Rasoptères. Ah, c'est peut-être les rasoptères qu'on doit chevaucher. On en a débloqué un paquet. T'as quoi? On pourrait pirater un gyrodorf. Ce serait insane. T'attends quoi? Parce que du coup, ça me débloque un... Semblerait qu'un grand clou bloque cette plateforme. Ah, je vais devoir trouver une autre sortie. Ah, peut-être que ça débloque un... Un grand coup pour la zone. Peut-être de grands coups. J'en fais quoi, ta tête de grand coup? Non, juste prends des dégâts. J'ai l'impression qu'il y a une salle sous le noyau. Je peux peut-être me faufiler. Tout doucement. Ça s'empêche de tomber. Je trouverais ça bizarre que ça débloque un grand coup pour la zone. Pour le coup. C'est trop long. J'y suis presque. Truc à refaire. L'acide va pas lui faire grand chose. T'as suprême, hein. Parce que même le jeu me dit ouais, améliore l'attaque silencieuse via le menu des compétences. Sauf que je suis au max. Oui. Ah oui, pardon. Ces rations me feront traverser si je choisis mon moment. Je regarde tellement.
Ouais, faut vraiment que j'attende le max. Seule difficulté de platforming qu'on ait rencontré dans tout le creuset. Hein. Et encore difficulté. Ok, mais on aurait pu shortcut et atterrir directement ici en fait. Qu'il y avait ça. J'avais zappé. Bon, comment on grimpe? Déjà, est-ce que c'était bien utile de grimper? Ouais, c'est une connerie, hein. On est d'accord. C'est marrant parce que ça fait quand même un chemin. Moi je pense qu'il faut que je passe de l'autre côté. Hein. Je vais prendre des dégâts tant pis, mais il faut. Ah non, il y a la barrière là-haut. Non. Idiot. Idiot que je suis. Mais il y avait peut-être moyen d'aller de l'autre côté pour choper un peu. Ça devrait mieux. Bon, alors c'est pour un. Ah oui. Quand faut se laisser tomber, y a pas d'enjeu. La compagnie. Non.
Si j'avais su qu'il y avait ces crabes de ces morts. La compagnie. Je m'en fous un peu, moi c'est ça qui m'intéressait. Jamais. Des blagues. C'est quand même dommage qu'on puisse pas cancel ces attaques avec les roulades. Hein. Mais bref. On va dire que c'est legit. C'est pour apprendre aux joueurs à pas spammer. Bon voilà. D'accord. Et bon, on les a tous défoncés. Je pense que la musique, on peut se calmer là. Hein. Je crois que la tête est en train d'être réparée. Ce serait bien. Ah voilà. La tête est en place. Monsieur est réparé. Ah, ce bras de métal est maintien en place. Peut-être que si je pirate le grand coup, le nombre de chocs me libérera. Bon, en gros, je fais tout, quoi. Ah, puis j'aime bien parce qu'à chaque fois, elle fait des suppositions, mais qui sont toujours justes. Genre elle se trompe jamais. Ça serait bien que de temps en temps elle se trompe, elle fasse une supposition et on fasse quelque chose mais pour rien, parce que c'était pas ça. Idiot. Idiot. Et c'est parti. Thank you.
Bon bah du coup nickel hein. Ça a marché. C'est donc la deuxième fois qu'on a une quête liée à un grand coup. Et c'est trop cool. Ça, c'est vraiment trop cool. Et non, franchement, ouais. Trop cool. Et donc, bah, ça veut dire qu'on a plus d'infos par rapport à cette zone? Ou pas du tout? Après, on avait déjà tout exploré, donc bon. On pourrait aller là, là et là, hein, parce que du coup, colonie inconnue. On n'est jamais allé là-dedans. Vraiment. La crevasse. Mais la crevasse, ça me dit quelque chose? C'était pas là où il y avait le marais de ses morts, là? Où on a voulu sauver Michel, mais il était mort? Enfin, il est mort en cours de route. Laboratoire de Ninma? Ah oui, donc c'est le fameux endroit où on n'y est jamais allé parce qu'on s'est dit merde. Mais si on y allait, il y a un feu de camp. Laboratoire de Ninma, ça me dit rien du tout. Faut qu'on se mette à jour là, juste là. Je suis curieux, j'ai envie de voir. Ah, et là, il y a un truc ici. Ok, bon, faut vraiment... ouais. Et de toute façon, faut que je retourne à la base pour voir ce que je peux faire pour les piratages. Et vu qu'on peut pirater genre une étincelle, va falloir aller en chercher une pour aller faire ce grand coup, justement. Mais ça va être une galère parce que ouais, en fait, tout autour, il n'y a que des ailes des lions. Et je ne sais même pas si je peux chevaucher une étincelle. Une étincelle, c'est assez petit. Bon, vous savez quoi? On va faire les choses dans l'ordre. Bah, à mon avis, il doit y avoir une limite parce que... Imaginez. On pirate une étincelle. Là, maintenant, là. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait aller à l'autre bout de la map en volant. Moi, je pense qu'il y a une limite à ça, hein. Il doit y avoir un délire de territoire ou parce que sinon c'est full craqué. C'est-à-dire que là je peux vraiment aller à l'autre bout de la map. Oui alors non. Non non. Vraiment pas. Oh gueule d'orage en vrai. Et colonie inconnue. Ah, et ferrailleur inconnu. Donc ça veut dire qu'on avait des contrats avec Michel, là. Oh, et s'il me donne un contrat pour casser la gueule au gueule d'orage suprême et que c'est pas rétroactif, je pleure. Par contre, il y a un gueule d'orage qui est vraiment juste à côté, donc... Ce qui est quasi sûr, c'est que le contrat va nous... Enfin, un des contrats va nous demander de péter la gueule au gueule d'orage. Hein. J'en ai la certitude. Mais bon, maintenant, on sait qu'on peut les doser. Mais ce serait pas le fameux gueule d'orage qui est de l'autre côté de... Non, pas du tout. Non, parce qu'on avait croisé un gueule d'orage qu'on avait voulu tester de l'autre côté d'un lac, là. Et on s'était fait péter la gueule. Et bien comme il faut en plus. Hein. Oh, il y a ça aussi là.
là, bonjour. C'était pas prévu, ça. Voilà. Tu vas mourir. Oui, peut-être. C'est probable. Mais... ça m'apprendra à pas utiliser le focus. Ils ont du répondant quand même, hein. Aïe. Une fois que j'arrive à faire ça. Bon, c'est pas grave. Bon, alors du coup nous avons la crevasse. Et je suis vraiment trigger là. Non mais on a les contrats et... putain, si on avait eu l'info qu'on avait Michel qui nous donnait des contrats là-bas, on aurait... ah, ça c'est un gueule d'orage. Je reconnais ça. Ouais, si on avait eu l'info, bah du coup, sûrement qu'on aurait pu mieux gérer notre exploration. Hein. Grand englouti de la crevasse. Ok, donc c'est un accès alternatif finalement. Non mais, de grâce. Parce que là, je peux pas passer en dessous. Ah, j'ai du boulot dans mes chaussures. Ouais. Donc ça, finalement, c'était la sortie. Je donnerais ça à un teinturier. Non mais on est d'accord que c'était là. C'est totalement là où on a sauvé l'autre gars. Enfin qu'on a essayé en tout cas. Je reconnais ça. Puissent tes ennemis trépasser sans heurts. La marque sanglante. D'accord, et donc maintenant vous êtes installé ici en mode chillax. Tu as besoin de provisions ? Salut. Bon, en tout cas, vous me proposez pas de quête. Il y a un côté légèrement rassurant. Par contre, je viens de me bloquer. Je viens de me bloquer. C'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Donc on est de retour ici. Bon, moi du coup ce qui m'intéresse c'est la crevasse. Bah non, mais la crevasse c'est là où justement on...
Mais non, mais c'est là où on avait voulu sauver le gars, la crevasse. Et on avait tout looté là-dedans. Mais peut-être pas. Du coup, peut-être qu'on va trouver d'autres choses. Bon, je me permets d'y faire un détour. Ce qui me l'indique est pas comme un endroit de quête. Oh, par contre, s'ils me font le coup que c'est bloqué par je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a de l'eau comme avant? Ah non, mais il y a l'ascenseur. Ah oui, et l'eau est remontée à fond. Donc ça va être horrible. Oh, j'ai la flemme. Vous savez quoi, j'ai la flemme. On peut tester un coup de focus pour voir. On sait qu'on avait laissé un coffre derrière. Barrière rocheuse. Peut peut-être dégager à l'aide d'un levier. Est-ce que ce levier, je l'ai? J'ai pas, je crois pas. Hein. Ouais, donc voilà, il y a ça. Panneau de ventilation. Panneau de ventilation. Mais ça, c'est des panneaux de ventile qu'on avait déjà fait. Ouais, bon, vous savez quoi? Je vais pas y aller parce que si je suis en bas comme un con et que je me dis bah non, lol, t'as pas le levier, je vais m'énerver. Et juste à côté, il y avait des ferrailleurs. Non, mais ça rend fou, ça. C'était juste à côté. C'est le truc, un des trucs les plus importants de la région. Juste ça. Je trouvais ça bizarre aussi qu'on n'en avait pas recroisé avant le désert. Je trouvais ça bizarre. Un campement au Céram. Qu'est-ce qu'ils font ici? Yo les gars. Petite sauvegarde avant. Un génie est à l'œuvre. Je ne peux tolérer aucune distraction. Si tu as besoin de pièces, tu peux... Oh, une chasseuse. Oui, bien, bien. J'espérais tellement en croiser une. Allez, pas de temps à perdre. Aloy. Ce vieux boulon de Kéruf s'attend à ce que je lui fasse la meilleure armure de l'Ouest prohibé. Mais moi, Anda, je lui offrirai un chef-d'œuvre. Et toi, tu vas m'aider à le réaliser. Bien sûr, tu seras rémunéré, même si le fait de me voir travailler est une récompense en soi. Tu fais partie de l'équipe de Kéruf? Alors t'essaies aussi de lui faire la meilleure armure juste à côté du territoire Ténac. Ils ont leur propre lot de problèmes à devoir gérer. Et puis, je ne me contente pas de faire une armure. Je fabrique une œuvre d'art, empreinte de la majesté d'anciennes machines et d'extraordinaires reliques. Avec la détermination du gentil laboureur et la fureur du ravageur enragé. Alors, tu veux commencer par quoi ? T'as parlé d'utiliser des pièces de laboureurs pour ton armure? J'ai repéré un de leurs troupeaux pas très loin d'ici. Si tu pouvais me rapporter les bonnes pièces, cette armure serait aussi inébranlable qu'ils le sont. Je peux essayer. Oh, encore une chose. Les laboureurs laissent parfois un sillage de fleurs dans leur passage. Les Outarou en font une sorte d'infusion pour apaiser l'esprit. J'aimerais bien essayer... Simplement pour voir si ça peut m'insuffler l'inspiration. D'accord. Je verrai ce que je peux faire. Tu as parlé de trouver des reliques anciennes pour ton armure? Exact. Mais ce rêve s'est éteint comme une forge sous la pluie. Comment ça? J'ai récupéré des rapports d'éclaireurs envoyés dans cette zone à l'époque des Raids Rouges. Ils y mentionnaient des ruines pleines de trésors.
Mais quelques-unes de nos jeunes recrues ont volé les parchemins et ont pris la fuite pour aller chercher les reliques. Il faut absolument les retrouver avant qu'ils s'enfuient avec mes pièces. Je peux essayer de les retrouver. Et donne-leur une bonne correction de ma part tant que tu y seras, d'accord? Alors tu veux que ton armure porte la fureur du ravageur. Intéressant. J'ai repéré une de leurs meutes pas très loin d'ici. Si tu détaches un de leurs canons, je pourrais créer une armure aussi redoutable que lui. J'irai voir ce que je peux faire. Eh bien, si tu arrives à la voir, on ira le récupérer. Tu as besoin de pièces de machines anciennes pour ton armure? Ah oui! Il y a des cimetières de machines anciennes près d'ici. Elles étaient terrifiantes. Avec quelques pièces, je peux faire une armure qui éveillera la peur et l'inquiétude chez l'ennemi. Je regarderai les détails plus tard. Splendide! J'ai hâte que tu reviennes victorieuse. Je dois y aller. Bonne chance à toi. Ok, j'ai l'impression que c'est vachement plus à niveau... ces contrats-là. Mais attends, mais... Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, allez, go. Et voilà. Alors, regardez ce que t'as attendu. Je devrais lire ces contrats quand j'aurai un moment. Histoire de savoir exactement ce que je dois faire. Et c'est marrant comme quête, parce que là, pour les laboureurs... Les repérés doivent être par ici. Parce qu'en gros, elle nous demande littéralement de lui trouver ce quoi ce... Voilà le troupeau qu'avait vu. Se dépouiller la tête. Je dois pas me faire repérer. Ah mais j'en ai déjà des plantes. D'accord, on va le suivre. Derrière l'un des laboureurs, je pourrais peut-être atteindre les fleurs avant qu'elles ne fanent. Il faut que je détruise les deux. Hein. Je vais pas pouvoir atteindre ces plantes. Je vais devoir me cacher. D'accord. J'ai envie d'Atchoum. Oh, du calme. Je les assure. Bon, je peux accéder à ces fleurs maintenant. À l'aide. Purge.
Ah, la Niel sent aussi mauvais qu'elle est moche. Qu'est-ce qu'il me faut ? J'ai pas cueilli assez de fleurs. Dommage. Mais je suppose qu'Anda pourra s'en passer. Je devrais retourner à son camp. Et alors comment ça, pas assez de fleurs ? Désolé, j'achoume en continu depuis tout à l'heure, c'est horrible. Les ravageurs dont Anda a parlé ne doivent plus être loin. Je n'ai plus qu'à relire le contrat encore une fois, pour vérifier que j'ai tout compris. Les voilà. Anda veut l'un de ses canons. Je vais devoir le détacher sans tuer le ravageur. Sinon, ça risque de l'endommager. Faut que je vise ce canon. Cette machine avant d'avoir détaché le canon, il me le faut intact. Peut-être récupérer. Ah !
Kanda ne m'en voudra pas de lui avoir emprunté. Ça va faire des dégâts. Bon, désolé, hein. Depuis tout à l'heure, c'est la tristesse, mais je sais pas si ça se voit, mais j'en pleure tellement, je suis au bout de ma vie. C'est pas là, une réaction instantanée à je sais pas quoi. Le canon ? Je dois récupérer ce canon et l'apporter au point de dépôt pour que l'équipe d'Anda le récupère. Là. Et le point de dépôt, il est où ? Hey, salut toi ! Ok, ça va. Bon, mais comme la dernière fois, hein, même si ça dure un peu plus longtemps, on va essayer de valider tous les contrats. Bon, au dernier moment, elle va me dire... Il me reste à prévenir Anda que son équipe va le récupérer. Au dernier moment, elle va me dire qu'il lui faut je sais pas quoi... un canon de... Un canon de... Comme ça, c'est juste à côté. Oui, un canon de gueule d'orage. Hein. Ça m'a l'air un peu vénère comme objectif quand même. Bah mine de rien, les petites flèches corrosives, elles sont assez pratiques. Hein. Le contrat d'Anda disait que les voleurs qu'elle cherchait étaient peut-être venus ici. Je devrais peut-être jeter un coup d'œil et relire le contrat. Pour être bien sûr de ce que je dois faire. Je peux remplir ma bourse avec ça. Là, cette piste devrait me mener aux voleurs. Un campement vide, le matériel a l'air au sérum. Il appartient peut-être au voleur que je cherche. Voyons si mon focus peut repérer une piste. Ouais, mais il y a le carapateur, là. Il s'est passé quelque chose ici. Un changement de direction. Pourquoi ? Bah, peut-être à cause de lui. Ouais, il dodge le carapateur, là. Ils ont dû attaquer les voleurs par surprise et les pourchasser jusqu'ici. C'est pas de chance. Je vais pouvoir récupérer les parchemins d'Anda, du coup. Les parchemins. Ils parlent de ruines près d'une tour métallique. Je devrais peut-être rapporter les reliques à Anda, pour que personne d'autre ne soit blessé. Ah, et là, ça me demande d'aller à un endroit que je ne connais pas. Attendez... On va faire ça. Alors par contre, ça me demande d'aller à un endroit que je ne connais pas, ça m'arrange pas trop.
Oui, c'est bien, mais ça m'arrange pas dans l'optique que... Les ruines signalées sur la carte au trésor. Ah, mais du coup, ça va être ça? Il va falloir faire les ruines. On va peut-être se le laisser pour le prochain épisode, du coup, ça. Putain, ce contrat me fait cavaler, c'est dingue. Ok. Bon, je fais juste ce contrat-là. Et le dernier contrat, on le fera pour le prochain épisode. Oh, sinon, la VOD va faire 2 heures, c'est sûr. Oui. C'est à l'œil. Je vais entrer. La machine antique qu'Onda voulait que j'aille voir devrait être dans le coin. Je pourrais relire le contrat encore une fois. Ok, je pense qu'on va faire le tour par là-bas. Ça, c'est l'enfer. C'est bien un cimetière ancien. Je devrais utiliser mon focus pour trouver des pièces intéressantes. Ah oui, mais c'est les tanks, d'accord. Moi, je pensais que c'était les mechas araignées, là. Ça va plaire à Honda. En plus, on était jamais venu ici, il me semble. Hein. Ah d'accord, ça marche aussi comme ça. Ça devrait être utile à Honda. Honda de Street Fighter, hein. La fameuse. Ça va intéresser Honda. Je crois que j'ai récupéré toutes les pièces. Attends, on peut faire tomber l'arbre là. Panda a noté sur le contrat. Non, pas du tout. Bon, je finis de fouiller. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le laboratoire de Monsby là. J'ai presque envie d'y aller juste par la curiosité là. On est à côté. On est vraiment à côté. Juste, je me permets le détour. Parce que j'ai aucun souvenir de ça. Mais vraiment pas, hein. Alors qu'on a un feu de camp. Ah mais ce serait pas le... Ah mais si. Si si. Bah en fait c'est là où on est allé pour le scénario avec... Avec Eren et l'autre là. Si, si, c'est sûr, c'est ça. Je vérifie, mais...
Oui, non, parce qu'on est d'accord qu'avant, cette zone-là, elle était en mode brouillard de guerre. Ouais, si, c'est ça. Ok. Ok, oui, parce qu'avant, elle était en mode brouillard de guerre et on n'y était jamais allé, on savait pas ce qu'il y avait, quoi. D'accord. C'est donc ça. Oui, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment étrange. Site de coureuse. Bon, vu qu'on va, on ne va plus jamais revenir dans cette zone. Surtout pour des coureuses. Je veux quand même juste spotter cet endroit. Comme ça, c'est fait. Allez, s'il te plaît, le jeu. Je suis en plein dedans, là. C'est bon ? C'est bon. C'est ça aussi, là. Non, mais je comprends. Je viens vous faire chier, c'est terrible. C'est pareil, ça, on avait vu ça de loin, ça faisait genre une sorte d'arène, mais il n'y avait rien du tout. Et je confirme qu'il n'y a toujours rien du tout. Hein. Il y a une arène, comme si devait se passer un truc ici. Mais il n'y a rien. Peut-être plus tard. Je n'en ai aucune foutue idée. Bon, du coup. Mes excuses. C'est vrai qu'on avait de quoi upgrade un arc aussi. On avait chopé une ressource. Mais est-ce que j'ai vraiment envie? C'était pas pour cet arc d'ailleurs? Non, pas du tout. Ni pour celui-là. Ah ouais, mais du coup en fait on s'en fout. Faut voir. C'était pour quoi? Ah, je pourrais améliorer ça. Ah, ça me demande quand même une ressource un peu abusée. Hein. Ah, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a les flèches de feu, quoi. Mais bon, à un moment donné, ça va se voir que je fais pas de dégâts. 45-80. Ah ouais, dégâts de corrosion. Bon, dégâts aériens, on s'en fout. Vitesse de dégainement, ah ouais. Donc il y a potentiellement moyen que je me fasse moins éclater si je prends celui-là. Bon, il est toujours moins intéressant. Putain, il fait moins de dégâts. Celui-là, je suis à 45-80. Et là, l'upgrade me mettrait à 38,87, donc moins de dégâts vanilla, mais plus de déchirure. Ben, ça se joue pas à grand chose, hein. Ah oui, mais j'ai une bobine dégâts d'impact dessus. C'est pour ça. 67,148. Ah oui, donc si je mets la bobine si je mets la bobine dégâts d'impact, normalement celui-là il fait plus mal. Mais j'ai plus les flèches de feu. Et ça c'est pas ouf hein.
Mais j'ai deux emplacements de bobines. Hein. Donc en soi, je peux faire la même. Ah oui, mais chance de coup critique. Dégâts de coup critique. Dégâts de surcharge. Ah ouais. J'aurais peut-être dû regarder les petites lignes. Ouais. Bon après, les coups critiques, ça a une faible proba. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des dégâts purs plus hauts de base ou plus de critiques? En sachant que les critiques, c'est pas systématique. C'est comme les antibiotiques, quoi. Parce qu'admettons... Ah ouais. Les ennemis ont une chance de recevoir l'altération corrosion lorsqu'ils subissent les dégâts explosifs, impact ou acide. Et vu qu'on a dégâts de corrosion avec, bah c'est trop craqué. Ah mais c'est ça aussi, putain, que j'avais complètement zappé à l'arène, qui était complètement cheatée. Par contre, c'était les mods. Donc il faut que je m'en occupe des mods. Ouais, parce que là, du coup, nos dégâts sont les mêmes. 41, 81. Bon, ben, on va voir. Parce que pour le coup, dégâts aériens, j'en ai, mais rien à caquer, hein. Ouais, j'ai peut-être un peu waste mes ressources, là. Pour rien. Eh oui, 41, 80 aussi, ouais. Sans la bobine. Hein. Donc ouais, j'ai peut-être un peu waste. Plus 10% dégâts de corrosion... Parce que je me dis que du coup, la bobine, je peux le mettre sur celui-là. Et j'aurai les flèches de feu aussi. J'ai un peu waste mes ressources. Permettez que je vérifie un truc. Parce qu'il est 13h10 là. 13h03. Je pense que ça save automatiquement quand je me suis rapproché du feu. 13h01. Putain, mais il y a des sauvegardes auto tout le temps. Alors, si je peux éviter de waste autant mes ressources. Ah putain, ça fait ça. Ok. Ah, ça a dû sauvegarder automatiquement quand j'ai découvert le site de Coureuse. Pas du tout, c'est quand je suis arrivé ici. Ok, ça n'a pas waste mes ressources, c'est bon. Bon bah... un peu cheaté, je sais. Par contre, dégâts concentration, j'ai peut-être envie de le garder. Parce que qu'est-ce que je pourrais mettre à la place?
Rien de foufou, hein. Ah oui, les dégâts d'impact. Ouais. Oui, parce que même en concentration, on fait des dégâts d'impact. Donc, vaut mieux ça. Oui, non, parce qu'en soi, il a l'air bien, mais en fait, il l'est pas. Putain, et du coup, je peux appliquer la corrosion comme ça, quoi. Ouais, donc au final, bon, désolé, je perds du temps, mais au final, l'arc, je crois qu'il nous avait saucé en plus à un moment. Mais en fait, Osef. Hein. Osef complet. Je crois que je suis plus très loin des machines antiques qu'Anda voulait dépecer. Et en plus, la corrosion, on a vu que c'était assez utile. Une connerie. Hein. Oh, j'ai tellement la flemme. Vas-y, dépêche-toi. Utile, Anda. Bon, il n'est jamais trop tard pour tester la smoke. Je sais pas trop si Anda en voudra, mais je peux peut-être m'en servir. Ça va intéresser Anda. Je doute qu'Anda puisse s'en servir pour son armure. Je peux peut-être le garder. Oh non. Faire assez de reliques pour l'armure d'Anda. J'ai plus qu'à lui rapporter. Ninja. Ah, j'ai tellement pas envie là. Attendez, je reste caché. Du coup, c'était quoi le dernier contrat? On va pas le faire maintenant, mais c'est juste pour savoir. Les fameuses ruines. Et du coup, ça me demande d'aller... Ah oui, là-bas où on n'est jamais allé, en fait. Ok. Bah du coup, on va en profiter pour... On va en profiter pour checker un peu ce qui se passe là-bas. Parce que de toute façon, je pense qu'on débloquera rien d'autre. Hein. Ah merde. Vu qu'il me cherche. Bon bref, on va s'arrêter là. Je me TP juste en off et bref. On continuera. Bisous YouTube. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Et portez-vous bien.